Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Ce soir avec Christine Bravo. Qu'est-ce que c'est que ces lunettes? Elsa Fayer. Philippe Gueluc. Stevie Boulet. Christophe Alévèque. Et Pierre Bénichoux. Mais en fait, je viens de comprendre. Je viens de comprendre pourquoi ces lunettes, c'est la robe d'Elsa Fayer qui vous éblouit. Oui, oui. C'est ça. Pas que la robe, hein, d'ailleurs, c'est mon esprit, ça là. Non, c'est pour soutenir l'équipe de France, pour faire viril, tu vois, comme... Stevie. Comme Stevie. L'équipe de France pourrait être barragiste, alors que Stevie pourrait être garagiste. Alors là. Je voulais piquer celui-là. Non, c'est la nouvelle Christine Bravo, je me trouve vachement rock'n'roll. Non, c'est pas la nouvelle Christine Bravo, c'est les nouvelles lunettes, c'est tout. Je veux dire. Il ne faut jamais secouer un bébé. Alors, c'est encore votre chat qui fait de la pub. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah non, c'est pas de la pub. Ah bon? J'ai mis mon chat au service vous d'une... Vous me rassurez, c'est une cause humanitaire. C'est une campagne qui a été lancée par le Centre de recherche francilien pour les traumatisés crâniens. Voilà. On ne se rend pas compte du nombre d'enfants tout petits, de quelques mois, qui arrivent dans les hôpitaux au service d'urgence parce qu'ils ont été secoués. Ils en subissent des traumatismes à vie. Il y a 10% de décès et 50% de mômes qui sont handicapés à vie. J'ai pris un... On sait comment il faut porter un bébé parce que les muscles du cou, lorsque l'enfant est tout petit, ne sont pas suffisamment résistants. Donc il faut toujours soutenir la tête. Or, il se fait que certaines fois, lorsque le bébé pleure, ne s'arrête pas de pleurer. Et des parents, qui ne sont pas des parents maltraitants, qui ne sont pas des assassins, non. qui ne sont pas des... un moment, énervés par les pleurs d'un enfant, prennent l'enfant... et font ce geste qu'il ne faut jamais faire. C'est absolument tabou. Alors jamais dire à un enfant si petit « Est-ce que tu vas te taire ?» Ces 3 secondes de secouement peuvent foutre la vie de cet enfant et la vie de toute la famille en l'air. C'est une chose qu'il faut absolument faire reculer. Et avec cette campagne, j'espère y participer. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Je me dis que si j'avais eu une nounou comme Gueluc, peut-être ma vie aurait changé. Allez, passons alors tout de suite à la photo du jour. C'est évidemment celle du Stade de France. On va parler football. On y reviendra d'ailleurs pendant cette émission. Mais... le Stade de la peur, titre François, puisque ce soir, l'équipe de France de football y joue dans ce stade. Et c'est le match de la dernière chance, titre l'humanité ce matin. Même l'humain, hein, titre avec le foot. Ça va être chaud à la une du Parisien. Sortez vos tripes, conseille François. Ça y va fort hein, ce matin dans la presse. Jour de vérité pour les Bleus à la une du Figaro. Et c'est peut-être l'équipe qui est le plus radicale. Qu'on en finisse oui. Titre l'équipe. Alors là, je sais pas comment il faut le prendre hein, d'ailleurs ce titre-là. Je sais pas si on va les euthanasier si jamais ils se qualifient pas, mais c'est tout comme. Hein. En tout cas, si la France perd ce match, c'est vrai que les conséquences seront terribles pour tout le monde. Pour le moral des ménages, pour la croissance économique. Pour TF1. Ah oui. Ça risque de secouer beaucoup d'enfants, moi, je crois. Oui, oui, oui. Et pour TF1, c'est important parce que nous, on est solidaires de cette chaîne qui risque de perdre beaucoup d'argent. 64 millions d'euros. Bref. Pour notre pays, les Bleus doivent gagner ce soir. C'est ce qu'il y a de plus important au monde, ce qui se passe ce soir. Le tremblement de terre au Cachemire à côté, c'est rien. Le tsunami, c'est oublié. Ce soir, il faut gagner pour assurer le coup. Disons, allez, même on devrait gagner, allez, 10-0 contre les Chypriotes. Hein, faut assurer le coup. Hein. Peut-être même qu'il faudrait que le président de la République, Chirac, retourne à l'hôpital d'ici à soir, si c'est ça qui les motive, les gars. Hein. Peut-être qu'il faudrait que Gérald Dahan les appelle avec la voix de Sarkozy pour leur dire que s'ils ne se qualifient pas, ils seront guillotinés demain dès l'aube, place de la Concorde. Peut-être qu'il faut les menacer de confisquer leurs gonzesses et leurs téléphones portables à ces joueurs. Ah, ça va marcher. Ah oui. Tiens, pire, s'ils gagnent pas, ils seront privés de Danette. Vous êtes durs. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Dur. Ah oui, oh, ça, non. C'est dur. Hein. Moi, j'ai invité quelques amis ce soir pour regarder le match. Ouais. On va servir l'apéritif avec des chypres et on va en faire qu'une seule bouchée. On en reparlera avec Gérard Holtz tout à l'heure. Parce qu'il y a un autre problème, hein, c'est que le Stade de France ne porte pas bonheur à nos footballeurs. Et il faudrait peut-être que les Bleus jouent finalement comme les rugbymen du Stade français en rose. Alors, vous avez vu ça un peu, le nouveau maillot des rugbymen et sachez qu'il y a justement un match samedi soir, Stade français contre le Stade toulousain. Et le stade est
plein déjà depuis, mais plein à ras-bord depuis longtemps. Peut-être même que les gens qui seront dans le Stade de France ce soir, c'est peut-être déjà ceux de samedi qui sont venus en avance pour être sûrs d'avoir leur place. Et c'est pas ce soir avec des types qui vont crier « Allez les roses » qu'on va gagner, hein, croyez-moi. Allez, une autre photo. Oui, oui, Christophe. Non, je voulais simplement dire bonjour parce que j'ai encore rien dit. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour. Voilà. Est-ce que vous pourriez dire au revoir maintenant parce que... Alors au revoir. Au revoir, à tout à l'heure. Non, non, attendez. Vous voulez, je reviens. Non. Christophe, restez avec nous parce qu'on va parler de Nicolas Sarkozy et je sais que c'est un homme qui vous tient à cœur. Ah, mon amour. Une photo de Nicolas Sarkozy qui porte plainte contre France Soir et l'AFP pour avoir divulgué le nom de sa nouvelle compagne. C'est vrai, ça relève de la vie privée. Ça devrait être une règle dorénavant. Ne plus jamais s'occuper, parler, s'intéresser des femmes, des candidats à l'Élysée. Par exemple, lundi soir sur France 3, on a vu cette dame, Madame X. Hein, et ben, désormais, on ne doit plus prononcer son nom. C'est comme ça. Ah. Ça c'est bien. C'est en attendant, VSD titrait ce matin qu'entre le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, ça va bientôt saigner. Le duel, on parle de duel entre Sarkozy et Villepin, se durcit. Il reste encore 19 mois avant la présidentielle et à ce rythme-là, Villepin et Sarkozy seront tous les deux carbonisés, nous dit un conseiller du président dans cet article. C'est même à se demander si ce serait pas le but recherché par le président de la République, M. Chirac, qui lui, bon pied, bon oeil, surtout le gauche, se refait une santé. Chichi, il donne un flingue aux deux types qui vont se battre dans la rue et tu vas voir que c'est lui qui va garder l'étoile du shérif. Christophe, l'ai déjà dit une fois, moi je trouve qu'ils font une belle machine à perdre tous les deux. Et pour en revenir à Sarkozy et sa vie privée, il veut qu'on protège sa vie privée. Et voilà Tipa qui fait des révélations comme ça à des journalistes dans un voyage en avion et qui va faire ses courses avec sa nouvelle fiancée. Dans les grands magasins, mais comme ça, il fait « Non, c'est pas moi, non, c'est pas elle. » Il a le droit de faire ses courses dans les grands magasins. Puis au moins, il correspond plus au profil des Français, parce qu'aujourd'hui, la majorité des familles, soit ils sont séparés, soit divorcés, etc. Et bien là, au moins, on a un chef de la République. Enfin... Oh là, lapsus. Il s'y voit déjà à Matignon, ouais. D'ailleurs. Allez. Il y a quelqu'un qui, pendant ce temps-là... Pendant que Chirac, Villepin et surtout Sarkozy comptent les coups d'un côté et de l'autre, il y en a un qui rigole bien, qui est tranquille maintenant, pépère. On le voit dans Gala aujourd'hui, en train de jouer au Scrabble, regardez, avec sa femme et sa maman. C'est Jean-Pierre Raffarin. Hein. En plus, c'est dégueulasse, ils se mettent à deux pour battre une personne âgée, franchement. C'est vous dire le niveau des Raffarins quand même. Quand on pense qu'il a été Premier ministre pendant 9 ans, on est compte un peu. 9 ans. Ah oui, 3 ans. Oui, mais enfin, Raffarin, ça compte triple. Allez, on passe à autre chose. L'inquiétude autour de la grippe aviaire, avec des Français, paraît-il, déjà alarmés. C'est le Parisien qui nous le dit ce matin. Alarmés par l'arrivée probable du virus. Les Français mangeraient déjà moins de poulet, nous dit-on, et certaines pharmacies seraient déjà en rupture de stock du fameux médicament, le Tamiflu, je crois. Vous avez acheté du Tamiflu, vous ? Tamiflu, mais le jour où tu me verras acheter du Tamiflu, mon petit gars. Ça, voilà, pour moi, c'est le révélateur à conneries. Dans toute sa splendeur. On est encore en plein alarmisme, en pleine paranoïa. On a trouvé un nouveau syndrome pour faire peur aux gens. Il n'arrivera rien, il ne se passera rien. Mais quel intérêt d'habitude. De faire peur aux gens, enfin, on pour ouvert, les on contrôler. Quand t'as peur, pendant que les gens ont peur, ils ne réfléchissent pas à autre chose. Non, je voulais dire qu'en fait, puisque c'est pas en mangeant du poulet qu'on l'attrape, non. C'est en respirant. Du poulet. Du poulet. D'où l'expression, et mon cul, c'est du poulet. Nous allons maintenant accueillir ensemble un monument de la chanson française, un artiste exceptionnel qu'on peut appeler Métèque sans risquer de le vexer, puisqu'avec sa gueule de Métèque, avec Joseph, avec Ma Liberté, avec Votre Fille à 20 ans et bien d'autres, il a collectionné les plus grands succès, vous aurez reconnu, Georges Moustaki. Fin septembre, Georges Moustaki a sorti Vagabond, un tout nouvel album dédié à toutes les femmes qu'il a aimées. D'ailleurs, il devrait y avoir beaucoup plus que 11 chansons sur ce disque. Dès le mois de novembre, Georges sera en tournée dans toute la France et fin décembre, il sera en concert au Théâtre du Rond
rond-point des Champs-Élysées à Paris. Il fera même le réveillon avec son public le 31 décembre au soir au théâtre du rond-point pour parler de Vagabond, son tout nouvel album. Accueillons le pâtre grec, le chat d'Alexandrie, Georges Moustaki. Chanson. Et c'est vrai, Georges, merci pour cet accueil, merci pour Georges. C'est vrai que vous allez passer le réveillon sur scène. Oui, oui. Le 31 décembre au soir. Je vais étirer un petit peu, parce que le spectacle devrait se terminer à 11h30, mais on va rester jusqu'à... Vous allez tirer un petit peu. On vous a dit que vous aviez beaucoup tiré dans votre vie. Vous allez... Je n'ai pas de taille. Vous allez rallonger la durée du concert ce Exactement. Soir-là. Exactement. Voilà. Bon, pour pouvoir faire les 12 coups de... Pour pouvoir... On s'en sort pas. Non. Votre réputation vous précède, cher Georges. Ben, surtout avec les personnes qui sont là, qui n'en ratent pas une. Il faut dire que vous non plus, vous n'en ratez pas une. Il faut dire qu'avec cet album, ça ne va pas arranger votre réputation, parce que c'est un album de séducteur, de vagabond, certes, comme le titre l'indique, mais aussi d'un homme qui aime exagérément. Est-ce qu'on aime exagérément les femmes? Je suis mal placé mais pour non, le mais dire. Quelle, mais quelle est la personne ici, à quelques exceptions près, qui n'aime pas les femmes? Ben moi. Mais à ce point-là. Vous êtes partie des exceptions. Il y en a au moins 4. Non mais sérieusement. Toutes les femmes, hein. Toutes les femmes. Les femmes rondes, il y a une chanson dédiée à Christine. Oh oui, Bravo. Alors je te remercie. T'es pas obligé de souligner, enfin. Ronde, on parle pas comme ça, hein. Non. Comme ça. Vous avez adoré cet album, Christine? Ouais, j'ai trouvé ça bien, mais moi j'aime bien Georges. Et c'est marrant parce que Georges, il est d'abord c'est la voix de notre jeunesse, mais j'ai vu en regardant votre bio que vous balanciez quand même, que vous n'étiez pas le mec aussi cool, aussi que Pépère, enfin Pépère le prenait pas mal, mais vous avez une image comme ça très paisible, très tranquille. Alors j'ai lu que vous aviez balancé un casque de moto à la tronche de Jacques Chancel. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, il irrite souvent les gens. Vous dites de Gainsbourg, baiser Brigitte Bardot était vraiment un exploit pour lui. Et pour vous, baiser Piaf, c'était quoi alors? Parce que... Non mais quand même, faut pas déconner. Non mais quand j'ai connu Serge, il avait un grand complexe physique. Pourquoi? Ben parce qu'il avait des oreilles comme ça, parce qu'il avait un nez comme ça, et puis tout ce qui est devenu séduisant quand son personnage s'est construit, lui faisait honte. C'est alors c'est ça. Est-ce que vous êtes un homme qui cachait une face beaucoup plus... Je ne cache pas, si vous m'énervez, vous allez voir. Mais c'est vrai, tu sais, tu l'imagines pas en train de s'énerver. Oui, mais ça, c'est manque d'imagination. C'est... Il préfère s'emporter que vous emporter. C'est... Merci. 11 nouvelles chansons. Il y en a 9 de nouvelles et 2 reprises. Moi, il y en a une que j'ai adorée, c'est Les Mères Juives. Moi aussi. Ah, elle est formidable. Elle est formidable, cette chanson. Elle est formidable. Moi, j'ai pas aimé Le Soldat, en tout cas. Ah bon? Et qu'est-ce qui t'a pris? C'est la folie, ça. Pourquoi? C'est tout. Tout ce que j'ai dit, je ne dirai rien d'autre. Bon, alors. Moi, je suis très moustakien. Il y a une chanson sur cet album que j'ai beaucoup aimé tout l'album. Il y en a une qui m'a réellement bouleversé par sa simplicité et son évidence. C'est Amoureuse. Et la musique est magnifique. Le texte est d'une simplicité. C'est quelques adjectifs. On pourrait presque la lire généreuse, plantureuse, prolifique, voluptueuse, malicieuse, audacieuse, amoureuse, silencieuse, mystérieuse, etc. C'est une liste d'adjectifs sur les femmes. Et je trouve cette chance... C'est une parcheuse à la fin. C'est une chance, c'est une grande chanson. Ça pourrait, bien sûr. Ah, c'est une grande chanson parce qu'elle fait défiler toutes les femmes qu'on a connu, toutes les femmes qu'on connaît, toutes les femmes du monde. Alors vous aviez dit à un moment que pour écrire Milord, ça vous avait pris une heure. Pour écrire Le Métèque, ça vous a pris trois quarts d'heure. Et celle-ci qui fait 12 mots, elle vous a pris combien? 2 ans. Non. En tout cas, la chanson Les Mères Juives, elle est à la fois drôle et émouvante. C'est pas facile hein, de faire à la fois une chanson drôle et émouvante. Vous l'avez aimée cette chanson, Elsa Fayer? Ah oui, j'ai adoré. Alors, c'est pas ma mère que j'ai vue, mais plutôt ma grand-mère, parce que ma mère est quand même vachement plus jeune et elle nous a pas trop éduqués dans ce genre-là. Mais quand même, mais je me souviens avoir fait l'Eurovision avec vous, je sais plus où, et vous m'avez dit: oh là là, je vais mettre cette robe-là, ma mère va être. Oui, parce qu'elle est forcément, sa fille qui fait l'Eurovision, elle est devant le poste, mais de là. Visiblement, aujourd'hui, t'as pas pensé à ta mère. T'es bête. Alors, il y a une autre chanson, vous l'avez dit, c'est une reprise, Les Eaux de Mars. On va l'écouter ensemble avec quelques images de Georges. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un
un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie le soleil, c'est la mort le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide et le néant. C'est la pie qui jacasse, c'est la verse qui verse, des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie. Le vagabond Georges Moustaki. Vous connaissiez Georges, Philippe? Et bien sûr, on a déjà reçu ici. Mais moi, hier, quand j'ai écouté le CD, y a un truc, c'est qu'il y a des parties, il y a des chansons que j'aime chez vous, et il y a certaines chansons qui, moi, me... C'est pas mon genre, c'est... Je sais pas, je suis embêté parce que... Parce qu'à chaque fois... Mais, lui, alors. Parce que c'est un mec qui... C'est un mec, il est... On peut le comparer à Einstein, il est génial. Mais... Einstein, carrément. Mais oui, non, parce que... Tout est relatif, hein. Non, mais... Vous parlez bien de Albert Einstein, non pas de Franck. Oh. Oh. Celle-là, elle a une barbe presque aussi longue que Georges, hein, mon cher Philippe. Ça nous rajeunit pas non plus. Est-ce que Georges, justement, puisqu'il n'est pas sensible du tout à votre... Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Bah, tu as dit que tu pouvais pas le blairer. Non, mais il y en a que j'aime et il y en a... Ah non, j'ai pas dit... Mais non, mais pour moi, c'est une pièce unique. Quoi. Enfin, c'est un... Mais c'est un ovni dans la chanson française, je veux dire. Pas du tout. Mais si, c'est qu'il a un style qui est à lui, qui faisait. Ça, par moments, ça ressemble à Brassens. Enfin, je veux dire, il y a des trucs qu'on retrouve pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des Delerme, des machins comme ça. Mais il n'y a pas de Moustaki. Il a un truc qui est bien à lui. Il a une plume qui lui est spécifique et qu'on trouve pas. Aujourd'hui, dans les chanteurs de la nouvelle génération, eh ben, c'est quelque chose, quand hélas, on écoute votre disque, on pourrait penser... Alors que c'est très bien, au niveau de l'acoustique, etc. J'aime bien quand il rame pendant 10 minutes. Non, je rame pas, parce que c'est profondément ce que je pense. Par exemple... C'est la première fois qu'on va pouvoir titrer Stevie Paguet. Oh. Oh, Si on vous proposait de venir à la Starac, est-ce que vous iriez? Peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas. On ne m'a pas proposé, je n'ai pas eu à réfléchir. Et je ne sais pas exactement ce que c'est. Donc, la Star Academy, vous ne savez pas ce que c'est? Pas exactement, j'ai entendu parler. Vous êtes exprimé dans la presse sur la Star Academy, vous avez dit que vous, si à l'époque on vous avait proposé de faire ce genre d'émission, vous ne l'auriez pas fait parce que pour vous, un artiste est unique et il ne doit pas être formaté ou en tout cas parachuté dans ce genre de programme. Vous êtes exprimé justement à ce sujet-là? Je suis toujours d'accord avec ce que j'ai dit puisque vous me le rappelez. Alors donc vous savez ce que c'est? Non, vaguement, c'est pour ça. Et c'est pour ça que j'ajoute que j'irai peut-être en touriste voir de quoi il s'agit. Peut-être, je ne sais pas, on ne me l'a pas proposé. Donc, puis on a des mignonnes hein, dans la Starac. D'abord. D'abord. Christophe Alévèque, dont la chanson préférée, j'imagine, de Georges, est peut-être Ma Liberté, non? Non, ma chanson préférée, c'est une chanson que malheureusement, c'est Sans la nommer. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle Révolution Permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà. Elsa Fayer a relu quasi toute la presse qui vous a été consacrée, c'est vous dire le week-end qu'elle a passé. Et elle voudrait vérifier quelques propos que vous avez pu tenir face à des journalistes, parfois peut-être déformés ces propos. Alors, à Paris, dans les années 60, vous vous arrêtez à un feu rouge avec votre deux chevaux. Et là, des étudiants se mettent à la secouer. Vous démarrez pied sur le plancher en embarquant sur votre capot l'un d'eux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oui, oui. Pourquoi vous avez fait ça? Ben pour jouer le jeu avec lui. Parce que c'était une étudiante, d'abord. Elle s'est bien accrochée ou pas? Oui, je lui ai fait faire le tour de Paris, comme ça, accrochée. Il a dû beaucoup s'amuser. Non, c'était un étudiant, mais il s'est beaucoup amusé, puis moi aussi. Anecdote suivante. Alors, à table, en compagnie de votre première femme, quand vous racontiez une histoire graveleuse, elle vous mettait une petite tape derrière la nuque. Non, je ne me souviens pas de ça. Non. C'est peut-être vrai, mais c'était sûrement très anecdotique, parce que ça n'a
Non, mais ne continuez pas, c'est faux, c'est pas du tout vous. En revanche, c'est arrivé très souvent à Christophe à l'évêque. N'est-ce pas, Christophe? Oui, c'est possible, mais je ne m'en souviens plus. Ah bon? Voilà. En tout cas, moi, j'ai mes sources. On continue. Alors, après le succès de la chanson Milord, écrite pour Piaf, vous passez 10 années sabbatiques à ne rien faire, sinon à jouer 8 heures par jour aux échecs. C'est presque vrai. 8 heures, c'est beaucoup, mais disons 3-4 heures. Vous avez eu une histoire d'amour avec une femme activement recherchée par la police. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Non. C'est un peu vrai, mais pas à rechercher. C'est... Ça vous dérange qu'on parle de votre relation avec Xavier Tiberi? Non, on peut en parler parce que j'ai une relation avec Xavier Tiberi. On déjeune très souvent dans le même restaurant grec, chypriote, excusez-moi de... Oh merde! Pas ce soir, Georges! Pas ce soir! Oh la boulette! Non, là, ce soir, on va éviter de parler du problème Chypre. Alors, vous en avez parlé tout au long, alors je peux bien ajouter une... Une touche personnelle. Et on va reparler, mais enfin, de là à dire que vous couchez avec l'ennemi, c'est un petit peu. Restez avec nous encore, Georges. Voici Jérôme Bonaldi. Qu'est-ce que vous nous amenez, Jérôme? Le nouveau dictionnaire illustré en 3 volumes. La nouvelle version, la première date de 1832. Voilà. Et c'est Stark qui l'a relooké complètement. Regardez, vous savez qu'il est beau, hein? Ah, c'est magnifique. L'intéressant, c'est qu'il a pris une très belle photo. Une femme rousse. Une femme rousse. Pourquoi? C'est en 3 volumes. Devinez. Ah! Voilà. Allez, c'est une rousse. Et en même temps, vous avez vu, elle est en gros plan sur le visage. On lui voit pas les Robert. Ouais. C'est pour le concurrent. Vous ne pouvez pas. Bon. Mais moi, je dirais, achète. Entièrement remanié, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et il y a un petit truc en plus, il y a un CD-ROM. En général, pour aller chercher dans le CD-ROM les trucs, c'est très long, il y a une arborescence, il y a quand même des heures et des heures d'images là-dedans. Heureusement, est arrivé, designé par Stark également, ceci. C'est WYSIWAY, on ne sait pas un machin pour prendre la température. Je prends le dictionnaire, je lis le dictionnaire, et de temps en temps, sur 1800 citations, il y a... Regardez, j'ouvre au hasard. Tenez, regardez, ici, là, pof, il y a un petit machin bleu. Vous voyez le petit truc qui est bleu, là? C'est un petit carré de 2 mm sur 2. C'est ce qu'on appelle un tag. C'est une sorte de signature, c'est une sorte de code-barre. Je prends le petit lecteur de WYSIWAY designé par Stark. Je le branche, je le mets dessus, là, comme ça, sur le point bleu. Vous avez vu, pof, j'appuie sur le bouton qui est là, clink, et immédiatement, dans l'ordinateur, il y a les images correspondantes. Non. C'est génial. Si, par exemple, tout à l'heure, j'ai cherché le mot guitare. Et voilà ce qu'on a sur la guitare. Est-ce que ça va pas plus vite d'aller sur son ordinateur direct? Non, parce que là, c'est directement. Ça va tout de suite, c'est immédiat. C'est bien, vous demandez guitare et on vous montre la batterie. Oui. Non, il y avait guitare au début. D'accord. Au début, il y avait... Mais regardez, si vous allez dans le dictionnaire, si vous allez sur Moustaki, pouf, il est dans l'émission. Ouais. C'est aussi rapide que ça. C'est très, très malin. C'est enfin la liaison entre l'écrit et l'écran. Alors on peut l'acheter avec le CD-ROM et pas s'en servir, on n'est pas obligé de se servir de ce truc-là. Et le petit de la dame, il existe toujours, on n'est pas obligé d'avoir les 3 volumes. Hein. Ouais, mais celui-là quand même, chez soi, c'est bien. Beau. Avec toutes les Ça coûte cher ce beau cadeau? Ça coûte 9 euros. Combien? J'ai pas noté. On s'arrêtera là-dessus pour aujourd'hui, Jérôme. J'ai pas noté. Pour la prochaine fois, on reste en dictionnaire. On remercie Jérôme Bonaldi. Jérôme. Et on remercie Georges Moustaki. Georges, hein, je vous offre tous les dicos. C'est pas qu'on vous les offre vraiment, c'est que ça nous fait gagner du temps parce que ainsi l'invité débarrasse tous les objets et on vous remercie. Georges Moustaki, nouvel album Vagabond, du 27 au 31 décembre au Théâtre du Rond-Point, en tournée à travers la France à partir du mois de novembre. Un maître de la chanson, Georges Moustaki. La semaine dernière à Paris, vous le savez, tous les plus grands couturiers du monde organisaient leur défilé. Paris est devenu, le temps d'une petite semaine, la capitale de la mode, après avoir été celle des Jeux Olympiques 2012, mais nous n'en reparlerons pas. C'était évidemment dans le but de dévoiler les collections printemps-été 2006, et certains créateurs se sont particulièrement illustrés en proposant évidemment des défilés originaux. Nathalie Garçon, par exemple, a fait défiler ses amis plutôt que des mannequins, quelques comédiennes, mais aussi des anonymes. Il y avait parmi les comédiennes Mathilde Seigner, Mia Fry. Bref, tout le monde a le droit à son passage
visage aujourd'hui sur un podium. Quant à John Galliano, lui, il a fait défiler des petits, des géants, des personnes de, on va dire, de forte taille, des personnes de plus petite taille. Enfin, tout le monde y a le droit. Effectivement, les mannequins ne ressemblent plus à ce qu'ils étaient auparavant. On va en parler tout de suite avec nos deux invités. Nous recevons la créatrice de mode Nathalie Garçon, accompagnée par une jeune femme de petite taille qui a défilé pour Galliano, Stéphanie Lorcet. Bonjour, bienvenue. Alors, je crois que vous allez à côté de Pierre. Nathalie Garçon et Stéphanie Lorcet, qui étaient donc en plein boom, comme on dit un peu vulgairement, dans la capitale la semaine dernière. Combien il y a eu de défilés? Vous avez idée de ça, Nathalie Garçon? J'ai aucune idée. Peut-être 80? Bon, ouais, voilà, une petite centaine de défilés dans Paris la semaine dernière. C'était quel jour votre défilé à vous? Ben nous, c'était samedi dernier. Samedi dernier, ça s'est bien passé? Formidable. C'est la première fois que vous défiliez? C'est la deuxième fois. La deuxième fois? Oui, pour un grand couturier. Le même? Non, pas le même. Donc, c'était une grande première pour moi de défiler pour John Galliano. Et ce qui était merveilleux dans cette aventure, c'est que vraiment, son concept, c'était « Everybody is beautiful ». Vous étiez avec une robe de mariée, hein? Oui, j'étais ça, mariée. Et voilà, et c'était magnifique, quoi. Quand je me suis vue, je fais... Donc, quand il y a eu les derniers essais finaux de la robe, donc on m'a habillée, tout ça. Et puis après, je me regarde, je fais « Oh, waouh !» Donc, je me redécouvre, je me dis « Waouh, c'est beau !» et tout. Et j'étais super contente parce qu'il a réussi. C'est-à-dire que vraiment, tout le monde était beau, vraiment tout le monde. Déjà, on est beau dans notre corps parce qu'on est bien dans notre peau. Et puis, voilà. Alors, il a été critiqué, Galliano, pour avoir effectivement fait défiler des gens de petite taille, comme vous, hein, pardon de vous dire ça, mais c'est vrai, certains ont été choqués, non pas choqué par votre présence, mais choqué par l'utilisation qu'il pouvait faire de gens, on va dire, différents. Mais pourquoi, Laurent? Parce que ça dérange. Dès qu'on sort de l'ordinaire, dès qu'on sort des sentiers battus, ça dérange. Mais pourquoi? Les gens sont friands. Au contraire, ils ont envie que ça explose, que ça change. Et là, je peux vous assurer, c'était un défilé purement vivant. On était tous heureux. Il y avait une pêche, une émotion. Et c'était vivant et c'était beau. Et il nous a respectés chacun dans notre personnalité. Mais la question que les gens se posent, vous pouvez bien comprendre, et peut-être que Nathalie Garçon va me répondre, est-ce qu'il fait ça pour faire parler de lui ou est-ce qu'il le fait vraiment par humanisme? Ou pour utiliser moins de tissus. Évidemment. C'est pas Galliano qui a été le premier à faire ce genre de choses. C'était Jean-Paul Gaultier. Bah oui. Parce que quand on regarde la collection Galliano, la dernière, il y a quand même beaucoup de choses qui sont ressemblantes à ce que Gaultier a fait les années précédentes. C'est pas le même esprit. Moi, quand j'ai regardé les photos dans la presse, j'ai cru que c'était du Gaultier. Hein. Ah oui, franchement, quand on regarde ça, dans l'esprit. Je pense que c'est pas un vrai marin, lui. La démarche de Gaultier et de Galliano n'est pas la même. Moi, je trouve aussi que la démarche est totalement différente entre celle de Galliano et de Mademoiselle Garçon. Vous faites défiler des gens, des proches, des amis, des gens qui ne sont pas ces porte-manteaux anorexiques qu'on voit défiler. Je trouve d'ailleurs que les gens qui font de la mode auraient pu marquer une étape. C'est entre les mannequins anorexiques qui tirent la gueule, c'est déjà faire défiler des filles souriantes. Normal. Ça aurait déjà créé un choc énorme. Je suis partante. Mais vous faites défiler alors des actrices. On voit Mathilde saigner là. Des amis, c'est Mathilde qui m'a poussé à le faire. Il y a une demande de proximité, de vérité. Et chez Galliano, il y a effectivement l'envie de créer le choc, de déranger et de faire quelque chose de très joli. Très joli. Stéphanie Lorcet, vous ajoutez avec beaucoup d'émotion. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir aussi représenter la petite femme, la beauté de la petite femme, et qu'il y ait d'autres petites femmes qui se reconnaissent. Parce que pourquoi rester dans l'ombre des grands? Non, on a aussi notre place. Mais vous êtes mariée. Vous êtes la petite femme de Paris dans toute l'acception du terme. Yes. Bon, alors, ce que je voudrais dire, c'est que c'est le contraire. Je reviens un peu sur ce que disait Philippe. C'est le contraire. Vous avez voulu montrer que les gens qui présentent vos vêtements ne sont pas des exceptions, mais des femmes de la rue. Non, des femmes exceptionnelles. Belles, mais comme toutes les autres femmes. C'est pas de la démagogie chez moi, c'est ni un effet de manche. C'est vraiment des femmes que j'habille dans la vie, c'est des femmes que j'aime, et de toute manière, je prends que des gens que je connais. Parce que ce que j'aime, c'est le caractère, c'est la dégaine d'une femme. Mais je veux dire, c'est pas
quand je dis un effet alors, de manche... Qu'est-ce qui vous plaît pas dans les mannequins classiques, on va dire? Non, non, ce que j'aime pas, c'est le côté absolument de la dictature de l'image. C'est-à-dire qu'on dit les femmes sont comme ça. Les... Et voilà, moi je pense qu'il y a des... On le voit là, des votre femmes, les minces sont magnifiques, on va pas dire que j'aime pas les minces. Je trouve qu'il y a des femmes rondes qui on sont voit Isabelle superbes. Alonso au premier rang de votre défilé. Mais il y a pas de... C'est une dégaine, une femme. C'est une allure, c'est une manière de parler, c'est une manière de bouger. Il n'y a pas de... Ce que je veux dire, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que je ne vais pas dire tout d'un coup, j'aime pas les minces. Non, mais j'aime pas les grosses. Plus, vos amis c'est... ressemblent plus aux femmes en général que oui. Les mannequins. Oui, oui, oui. D'accord. Oui, oui. Or, ce que fait Galliano, c'est de montrer des gens qui sont exceptionnels. Oui. Donc, c'est le contraire de ce que vous faites. Vous êtes contre l'exception, et lui, il ne fait que montrer plus d'exceptions encore. L'exception, je ne la vois pas sous le même angle. C'est-à-dire que moi, je pense que quelqu'un comme Mathilde Séné est exceptionnel. Ah oui, ou je pense que Yamina Benguigui est exceptionnelle. Et même des femmes qu'on ne connaît pas, parce qu'il y avait des... Donc, pour moi, l'exceptionnel, non, exceptionnel, il est... Non. Il par est exceptionnel, ailleurs. Vous voulez dire exceptionnellement belle. Peut-être, oui, mais exceptionnellement. Il y a quelque chose d'exceptionnel. Vous ne voulez pas être d'accord avec moi, tant pis pour vous. Elle était très jolie. Non, moi, je voulais savoir si vous aviez pris un cachet, justement, pour votre prestation, au même titre que les autres modèles. Pour un cachet, c'était pas du tout... un cachet, je veux dire, oui. Un d'aspirine. Non, non, bien sûr, parce que vous êtes, faut dire, comédienne au départ. Je suis comédienne, oui. Ouais. C'est par une agence, vous travaillez comme comédienne, et vous avez dit oui. Donc, je suis arrivée où il travaille, dans sa maison, et c'était magnifique, et déjà un très bon accueil, et je me suis vraiment... Mais vous avez payé cher pour ce genre de prestation, honnêtement? Correct, hein, bien. Est-ce que vous avez réfléchi ou hésité avant de dire oui? Pas du tout. Pas du tout. Je dis oui tout de suite. Vous n'avez pas douté de ses intentions, parce que moi j'aurais été à votre place, j'aurais peut-être eu peur que... Quelle peur, mais il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter la parano, quoi. Quelle peur. C'est au contraire une chance. Je veux dire, c'est génial, je suis petite. Vous et pourriez alors... être utilisée à votre insu. Mais pas être utilisée, je ne suis pas utilisée. On n'est plus au Moyen-Âge. Je veux dire, les nains, les bouffons, les machins, c'est bon, c'est terminé. Maintenant, on existe en tant que personne. On a le droit d'exister dans les défilés de mode et partout. Pourquoi on ne nous voit pas plus à la télé? Pourquoi il n'y a pas un chroniqueur de petite taille chez vous? Ah, il y en a. D'ailleurs, on va recevoir Gérard Holtz en fin d'émission. Non, mais Laurent. La prochaine fois, vous faites appel à Stéphanie Lorcet, Nathalie Garçon. Je ne sais pas si j'en ferai avant longtemps, donc j'en fais un très rarement. Mais parce que c'était un de vos premiers défilés, mais il y a longtemps que vous n'aviez pas fait. Ça faisait 10 ans que je n'en avais pas fait, oui. J'aime pas le côté systématique, et puis à un moment donné, c'est vrai qu'il y avait peut-être l'envie de montrer un petit peu ce que je faisais. La communication. Oui, c'est une manière de montrer ce une qu'on toute fait. Petite chose, moi je retiens de tout ce qui a été dit, il me semble qu'il est important de faire défiler ou de faire poser plutôt des personnes et des personnalités plutôt que des êtres aux mensurations plus ou moins stéréotypées. Et c'est ce que vous faites. Et je voulais juste dire que quand je vois des photos de mode dans lesquelles des acteurs posent dans les magazines, on a vu Vincent Cassel récemment, je trouve que ça a tellement plus de pêche et de présence que lorsque ce sont des mannequins anonymes, identifiables les uns aux autres. Ça dépend des photographes aussi. Vous voulez pas être d'accord avec moi non plus, alors. Parce que moi, ce qui donne corps aux vêtements aussi, c'est la personne qui le porte. Vous allez me détester. Donc plus la personne sera vivante et heureuse. Mais bien sûr. Le vêtement va prendre du corps et de la personnalité. Vous dites donc... mieux ce que j'ai essayé de dire. Bien sûr. Un mot de conclusion de Nathalie Garçon. On est pas d'accord. Sur tout ce qu'on a dit. Non, mais je pense que c'est... En même temps, c'est drôle parce que la mode, c'est très, très léger. Et en même temps, il y a beaucoup de choses pourraient être dites autour de ça, parce que ça reflète tellement la société dans laquelle on est. On retrouve tous les codes de la société. Oui, il y a beaucoup de sujets, quoi. Ça prête à beaucoup de discussions, je trouve. On va remercier nos deux invités, toutes les deux, Nathalie Garçon et Stéphanie Lorcet. Merci. Dans cette émission, vous le savez, il nous arrive d'aborder certains sujets sérieux avec parfois un peu trop de légèreté, mais ce soir, il n'en sera rien. La situation est bien trop grave. La France va-t-elle se qualifier pour la Coupe du Monde de football en Allemagne l'été prochain? Tout à l'heure, nos Bleus vont affronter la redoutable équipe de Chypre au Stade de France et il faudra la battre coûte que coûte. Sinon, adieu le Mondial et bonjour la honte. Est-ce que je l'interprète bien, là? Magnifique. Par ailleurs, si vous avez marre du football, si ce soir vous n'avez pas envie de regarder du foot, eh bien, allez au cinéma, car vient de sortir un film qui s'appelle Goal, et c'est l'histoire d'un jeune prodige du ballon rond. Et il paraît en plus que ce film est formidable, s'appelle Goal, naissance d'un prodige.
À mon avis, ça va être un carton au cinéma dans les jours qui viennent. C'est la première fois qu'on réussit un film sur le football. Alors, pour parler à la fois de ce film Goal et du match évidemment important de ce soir, France-Chypre, on va accueillir le grand spécialiste sportif de France 2. Il fêtera les 30 ans de Stade 2 en décembre prochain. Il anime... Ah, c'est son retour dans cette émission. Il anime Stade 2 depuis quelques semaines, chaque dimanche à 17h55. Vous aurez reconnu Gérard Holtz. Attendez, je... Merci. Bon, voilà, merci. Non, il n'y a pas besoin. Ça va ? Les 10 coussins tiennent bien. Hein, bon. Il est mort. Hey, Laurent, on se met l'un à côté de l'autre ? 1m83, Gérard. Voilà. Vous auriez mieux c'est bon, non ? Vous avez vu ce film, Goal, naissance d'un prodige. Oui. Petite larme en regardant, parce que c'est tout à fait un rêve que réalise un gamin de San Francisco qui joue bien au football. Et au point de vue football, c'est moyen plus. Oui. Comme dit le canard enchaîné, c'est on peut voir à la rigueur. C'est un film pour les gamins, c'est un film qui va faire rêver, qui va donner envie à tous ceux qui tapent un petit peu dans le ballon comme ça de devenir un jour une grande star. Et en même temps, moi je vais dire que c'est un petit peu dangereux, parce que c'est un petit peu dans l'air du temps de dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi et tout très vite. C'est un peu le phénomène Starac pour moi, ça. C'est-à-dire que là, le gamin, il joue bien au foot. Et en 2 mois, il devient professionnel à Newcastle, dans le championnat anglais. Et je crois que dans le prochain épisode, ensuite, il va aller jouer la Coupe d'Europe. Parce qu'il y aura 3 films en tout. Hein. Voilà. C'est une trilogie. Et ensuite, il va jouer la Coupe du Monde. Et c'est un peu dans le troisième, il paraît qu'il affronte Chypre. Et là, c'est autre chose. Et on voit Zinedine Zidane dans ce film ? On le voit une demi-seconde. Ah bah, alors peut-être comme ce soir. Ouh, il va lui porter la poisse. Poisseux. Elsa, vous l'avez vu ce film? Ah, mais j'ai... Bah alors, mais alors, Laurent, j'ai adoré. Mais voilà, c'est ça, je suis sûr. Vous pouvez pas imaginer à quel point j'aime le foot maintenant. Bon, en même temps, je suis un peu tombée amoureuse de Cugnot Becker. Ouais. Je dois dire qu'il y est pour beaucoup. Mais c'est formidable jusqu'au bout. Voilà, moi, je suis en plus quelqu'un d'extrêmement sensible. Ah oui. Donc, à la fin... Mais donnez pas le résultat, Elsa. Non, donnez pas mais le résultat. J'ai pleuré. Je suis sortie de la salle, j'avais honte. C'est vrai aussi, mon fils de 18 ans qui était là à pleurer aussi. Bon, revenons à l'actualité, au match de ce soir. Quittons le cinéma, parce que ce soir, c'est pas du cinéma, hein, c'est du vrai, c'est de la réalité, c'est plus de la fiction. Alors, vous allez dire, pourquoi on a invité Gérard Holtz ? Un, parce que évidemment, on va fêter les 30 ans de cette émission culte Stade 2 tous les dimanches soirs. Avant, c'était sur la deuxième chaîne, sur Antenne 2, sur France 2 aujourd'hui. Les 30 ans, là, au mois de décembre. Que vous y fêtez votre retour dans cette émission, ça fait combien de temps maintenant? Ça faisait 13 ans que je n'avais pas présenté Stade 2. Et là, vous y êtes depuis 3 semaines. Depuis 3 semaines. Vous êtes content de refaire Stade 2? Oui, très content. Surtout que l'équipe a changé, elle s'est absolument rajeunie, que je vais donner un coup de main à tous ces gamins qui ont du talent. Et on a entre 2 millions et 3 millions de téléspectateurs tous les dimanches, 30 ans après, ça continue. Et c'est excellent et c'est pour ceux qui suivent, je vais vous dire. Hein, alors, pour vivement dimanche prochain. Alors tout ça, c'était des bonnes raisons de vous inviter, Gérard Holtz. En revanche, certains se disent, oui, mais alors pourquoi Gérard Holtz? Pour nous parler football, parce que tout le monde sait que le foot, c'est pas votre sport favori quand même. J'ai joué au foot pendant 30 ans et je continue de suivre tous les matchs. Oui, tu apprends toujours ça. Mais pourquoi vous n'avez jamais commenté un match? Pourquoi c'est jamais vous qui parlez du foot? Vous, c'est le vélo, le Dakar. Parce que, mais contrairement à certains de mes confrères... L'escalade avec PPDA. Oui, sur le Mont-Blanc, bien sûr. Oui, contrairement à mes confrères, ça, c'est pas... Contrairement à mes confrères, j'aime bien laisser du travail aux autres. Ah. Donc c'est bien aussi que d'autres fassent du football. Mais donc vous y connaissez en foot? Un peu, oui. Alors, est-ce que je peux vous poser une seule question? Oui. Cher Gérard Holtz. Oui, Pierre. Est-ce qu'on va gagner? Il le faut. Voilà. Il l'a dit. Il peut le dire. Bravo. Est-ce que... Oui. On pose toutes les questions à l'autre. Oui, allons-y. Est-ce que Raymond Domenech joue sa tête ce soir? La réponse est oui. Ah. La réponse est oui, c'est très clair. Il l'a dit lui-même, il a laissé entendre, et surtout du côté de la fédération, on l'a dit pour lui. Si jamais la France est éliminée, Domenech, normalement, montera sur le bûcher. Est-ce qu'on a bien fait, parce que pendant un an, on a entendu, il faut que Zizou revienne, il nous manque, c'est pour ça qu'on ne gagne pas, il faut que Zidane revienne. Maintenant qu'il est revenu, on commence à entendre, finalement, il est vieux, il ne court plus, il se débarrasse du ballon dès qu'on lui donne, et ceci et cela, il est cuit. Alors, est-ce qu'on a bien fait de le faire revenir? La réponse est oui, il est magique. Il continue d'être magique, même lorsqu'il est un peu diminué physiquement. D'abord, il fait peur aux autres, il fait peur aux adversaires, et puis il est capable, sur une touche de balle, de donner comme ça, une passe qui peut faire marquer les autres.
On ne peut pas se priver d'un magicien et d'un type qui sort du commun comme ça. Alors ok pour Zizou, mais Turam, un type qui n'avait pas envie. Est-ce que c'est bien de faire jouer un type qui va un peu à contre-cœur? Ouais, pour Lilian c'est un peu différent. Moi mon analyse c'est que nos héros sont fatigués et que, et on ne veut pas dire morts, mais ils sont très très fatigués. Ils jouent trop. Moi j'ai des questions. Ils jouent tous les trois jours. Ils jouent tous les trois jours. Mais oui, ils jouent en championnat, ils jouent en coupe, ils jouent en match de Coupe d'Europe. Combien ça gagne un joueur d'équipe de France? Vas-y, à peu près. J'ai trois questions. Entre 100 000 et 150 000 euros par mois. Donc, écoutez bien, 100 000, 150 000 euros par mois. Est-ce que finalement, tu ne penses pas que l'argent ne les démotive pas, ces mecs-là? Ils ont moins faim, c'est évident. Dès qu'on a un résultat, regarde l'émission, par exemple, là, l'émission de Laurent, c'est un succès. Bon. Lorsqu'on est à un niveau comme ça, où on a gagné, pareil, comme les footeux. Attends, continue. Dès qu'on a gagné, évidemment, on a moins faim. On a gagné en 98, donc on a moins faim. Il y a un peu moins d'appétit pour la victoire. Alors pourquoi est-ce qu'on ne met pas des mecs sur le terrain qu'on paye moins, qui ont plus faim et qui sont plus performants et qui ont envie juste de gagner? Il a essayé pendant un an. Bien, bonne réponse de Laurent. Il a essayé, on lui a dit rappelle les anciens. Non. Alors où est le secret entre ceux qui ont plus faim, ceux qui ont trop faim, ceux qui ont moyen faim, faudrait dire. Mais dis pas des choses pareilles, Christine, parce qu'il va nous remplacer par des types qui ont faim ici. Christine, une des choses de base, c'est d'abord qu'il se repose. Il joue trop, il ne se repose plus assez, et après, on tombe dans la dope. Comme dans le film d'ailleurs, comme dans Gaulle. Exactement. On tombe dans le doping. Et le championnat italien est évidemment un peu plus, on peut dire qu'on peut soupçonner un peu plus ce qui se passe dans le championnat italien que dans le championnat français. Il y a de l'EPO, comme dans le vélo, dans le football italien. Et on le sait aujourd'hui. Ils prennent des médicaments que les cancéreux prennent pour se refaire Ça veut dire que tous ceux qui sont passés par la Juventus de Turin, ils sont passés par la dope. Zinedine Zidane a été interrogé par le tribunal dans le cadre de l'enquête sur la Juventus de Turin. Est-ce que vous croyez que le dopage dont on pense que c'est dans l'apanage du cyclisme, on sait qu'il y en a dans le football, comme vous venez de le dire. Est-ce que vous pensez qu'il y a certains sports qui peuvent y échapper aujourd'hui? Tous les sports. Pétanque, tous les sports sont touchés. Tous les sports sont touchés. Bravo, je ne sais pas s'il s'y connaît vraiment, parce qu'il répond à tout comme moi. On oublie le dopage, là, pas un soir comme ça. Ce soir, on voudrait qu'il soit dopé. Oui, qu'il se dope, mais qu'il gagne. Christophe Alévèque. Alors, quelques réflexions sur ce match. Je dis attention. Attention. Il n'y a pas de petite équipe. Attention. Et à noter qu'à chaque fois que la France ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde, pendant la Coupe du Monde d'après, elle n'a jamais déçu. Ça c'est très important. Et alors la question primordiale, si la France perd, ce qui est possible, l'entraîneur va être licencié, les anciens vont être en pré-retraite, pas de résultat, bilan négatif, faut-il privatiser l'équipe de France de foot? Elle l'est déjà en grande partie parce que vous savez par exemple qu'on ne peut pas nous faire les interviews lorsqu'on veut, avec qui on veut. Le sport c'est un spectacle. Donc on est obligé, nous, télévision, de payer pour avoir ces images de spectacle. Quand de temps en temps... C'est eux qui devraient payer pour être interviewés par Gérard Holtz, enfin merde. En haut du Mont Blanc. Gérard Holtz, je vais vous demander de rejoindre Philippe Gueluc. On a parlé tout à l'heure des femmes de footballeurs, mais un autre problème qu'on n'a jamais évoqué ici, c'est les femmes de commentateurs sportifs. Et il y en a une qui voudrait témoigner. C'est votre surprise, Gérard. La voici sur notre plateau. Elle s'appelle... Comment s'appelle-t-elle? Tiens, on ne va pas donner son prénom. Une femme de commentateur sportif. Monsieur Michel. Ouais, si vous voulez. Si vous voulez, bonjour, Laurent. Bonjour Michel. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. En effet, je suis femme de commentateur sportif et à force de côtoyer mon mari, je ne peux pas m'empêcher de parler comme ça toute la sainte journée. Vous ne pouvez pas vous empêcher de parler comme ça. Tout à fait, Laurent, c'est impossible. Je suis atteinte d'une sarcomanoïde aiguë. Et je peux vous dire que chez moi, toute la journée, c'est jour de foot. Et c'est le but. Ça commence à midi pour le déjeuner quand j'appelle mes deux enfants, Lilian et Zinedine, à table. Et là, je leur dis, aujourd'hui, les enfants, on refait des pâtes.
Il s'assoit et là ça commence. Zinedine passe le sel à son frère. Lilian renverse le ketchup au passage sur le maillot de son frère. Et là c'est une main. Une main dans la gueule. Carton rouge, tout le monde au piquet de corner. Michel. On ne peut pas dire de quel journaliste sportif, évidemment, vous êtes la femme, mais vous êtes donc épouse, on l'aura compris. On ne peut pas. Car ça ne nous regarde pas, Laurent, tout à fait. Mais je suppose que, évidemment, être femme de commentateur sportif, ça vous pose des problèmes dans votre vie intime. Je vous entends parfaitement, Laurent. Parfaitement, je vous... Aïe, 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 aïe. Quelle était la question? Ça vous pose des problèmes dans votre vie intime. Ah, dans la vie intime, c'est infernal. Bien souvent, le soir, avec mon mari dans la chambre, c'est aïe, 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 chérie, t'es pas passé loin. Aïe, 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 on était à ça. C'est... Je lui dis, tu es passé tout près, tu ne vas jamais au bout de tes actions, tu ne vas jamais au bout. Et là, je ne me rappelle plus ce que je dis. Et là, en effet, il s'endort, il n'y aura pas de prolongation. Quel dommage. Je le préviens, attention, je pourrais très bien faire rentrer un remplaçant à ta place. C'est la bête. Pardon. Votre quotidien, finalement, est totalement invivable. Invivable, Laurent, tout à fait. Voilà, il y a un petit décalage. Je vous entends, Laurent. Tout à fait invivable, dans la mesure où je ne peux pas m'empêcher de commenter à voix haute les films que je regarde à la télé ou au cinéma. Ceci dit, c'est l'apanage de beaucoup de femmes, je crois. Ce n'est pas Elsa Fayère qui me contredira. À vous, Laurent. Bravo. Mais quand ouais. vous commentez les matchs aïe, aïe, aïe. Comme ça, oui. Ouh là là. Quand vous commentez les oui. films au cinéma, oui. vous risquez pas quelque chose? Je risque pas, je ne sais pas ce que vous dites, je vous ne comprends pas. Vous risquez pas d'être exclu dès les premières oh, minutes. Je l'avais enlevé, mais vous êtes sorti. Et c'est le but. Alors c'est je l'aurai. Oui, si vous voulez. En conclusion, je vous dirais que j'aurais nettement préféré être femme de footballeur. Au moins, j'aurais fermé ma gueule et acheté des fringues toute la journée. Mais là, je crois que je vais devoir écourter ce sketch, car il a ses limites. Et je vais finir sur le gag de Charles Hudon. Je vous rends l'antenne. Voilà, vous n'êtes pas de moi. On fait ce qu'on veut. Au revoir, Laurent. Merci à vous. Merci, Laurent. Florence Foresti. Revenez, Gérard. Gérard Holtz, dimanche soir sur Stade 2, vous dira tout sur le match de ce soir. Inutile de le regarder, franchement. Non. Allez plutôt au cinéma voir Goal, c'est un très bon film, faut le dire. Très populaire, très réussi, qui plaira aux femmes, aux enfants, aux hommes. Tout le monde peut aller voir Goal. Ça va plaire. Et puis France-Chypre ce soir, bon ben voilà quoi, on va pas non plus en faire une montagne. Nous on avait décidé de pas en parler ce soir. Et finalement ce n'est que du sport. Même si on est éliminé, il faudrait pas oublier que ce n'est que du sport. Évidemment. Hein? Hein? Ça nous voilà. fout le moral dans les chaussettes. Voilà. Si on est hein? oh, oui. Vive le sport, vive France 2. Oui, bien sûr. Vous aimez jouer? Oui. Alors vive le qui a vu quoi? Allez. On garde le classement. Jean-Luc Lemoine a pris largement la tête. Hein. Il est avec 13 points, loin devant Caroline, Stevie Boulet, Christophe Lévesque. On regarde les profondeurs du classement où on retrouve Christine Bravo avec seulement 2 points. Philippe Gueluc, faut vous rattraper, Elsa aussi. Première photo. 6 points, c'est pas mal. Et... Première photo. Que réclame ce monsieur? Du pognon. De l'argent, mais quel argent? Du pognon. Le sien. Non, pas le non, sien. Pas le sien. Ce monsieur est député socialiste de l'Ardèche. Ah! Député socialiste de l'Ardèche. Ça, alors. Il réclame de l'argent parce qu'il est dans l'Ardèche. Non! C'est très intéressant ce qu'il réclame. Il s'appelle Pascal Terrasse. Il réclame de l'argent à l'État, donc. Oui, au gouvernement, exactement. La sécurité sociale, non, les 18 euros. Quelle est la dernière trouvaille que le gouvernement Rafara avait eue pour dire tiens, on va récupérer ainsi de l'argent? On met la redevance sur la taxe d'habitation. Pour les jours de congé, la Pentecôte. La Pentecôte! Il réclame l'argent du lundi de Pentecôte. Bravo, Christophe. Bravo. Ah, le fameux lundi de Pentecôte, mais parce oui, d'accord. Que ce député témoigne ce matin, et c'est très intéressant, il dit l'argent qu'on nous a promis, que le gouvernement nous a promis, soi-disant récupéré pour les personnes âgées... Il est où? Il est où? Il est passé où pour l'instant? En tout cas, il n'a pas été redistribué dans les régions. Qui voilà a vu ce l'argent? Que dit ce député. Ah, oui. Moi, je sais où il est. Raffarin s'est acheté un Scrabble, on l'a vu jouer en début d'émission avec sa grande... Un point, en tout cas, pour Christophe Alévèque. Bravo, Christophe. Photo suivante.
Quelle bonne nouvelle vient de recevoir ce monsieur? C'est un sportif? Non. C'est quelqu'un de connu, hein? Il va tourner dans un film? Oui. Je sens que ça vient, là. Il va jouer le rôle de... Alors, change pas de main. Il va jouer le rôle de... De James Bond. James Bond. Là. Il s'agit de Daniel Craig, le futur James Bond. C'est lui qui va succéder à Pierce Brosnan. C'est le nouveau James Bond. Il est moche. Non, moi je regarde plus James Bond, il est trop laid. Alors les figurants, ça va? Photo suivante. Pourquoi ces messieurs ne devraient-ils pas sourire? Alors c'est Jean-Pierre Foucault et Nicolas Sarkozy. Vous reconnaissez parce que Nicolas c'est Jacques Balutin qui est tombé. Non, c'est pas Jacques Balutin, c'est Michel Drucker. C'est Drucker. Bah, il ressemble à Jacques Balutin. Alors pourquoi? Parce que dans les minutes qui suivent... Non, c'est Michel Drucker et Nicolas Sarkozy. Alors dans les minutes qui ont suivi ça, Cécilia qui était derrière est tombée avec la bicyclette. Pas du tout. Si, c'est vrai en plus, je le sais. Parce que la fiancée de Sarkozy s'appelle Olga? Non. Alors il s'est passé quelque chose avec les vélos. Oui, avec les vélos. Il s'est passé quelque chose avec le vélo. Vous faites du vélo, vous? Mais c'est un rapport avec le vélo. Oui, beaucoup. Beaucoup de vélos. Je fais 10 000 km/h. Ah. Oh mon pauvre ami. On va payer des vignettes. On va payer des vignettes pour les vélos. Christophe, j'ai trouvé. Je pense qu'ils ont à force de faire trop de vélos, on a un petit kiki. Non, je sais qu'ils ont. Bonne réponse de Christophe Lévesque. Exactement, c'est dans Libération ce matin. Bander ou pédaler, il faut choisir. Ah, j'ai vu la dépêche. Alors là, je crois qu'on va s'arrêter là. Oui, c'est mieux, un triomphe de Christophe Alévesque. Ouais, bravo. Merci. Bravo, Christophe. On retrouve Gérard dans le stade 2, dimanche soir, merci, 17h55. Ouais. Merci d'être venu. Merci. Pour nous parler à la fois de la sortie du film Goal et du match de ce soir, France-Chypre. Allez les Bleus. Merci Gérard. Merci Laurent. Merci. À demain.